Ce film est drôle et cocasse, mais il aborde un thème rarement abordé, que ce soit dans la vie ou au cinéma d'ailleurs, la peur de vieillir, parce que cette histoire de chat perdu, c'est une métaphore, Zabou. Ah bon? Je n'avais pas vu comme ça. Ah bon? Bah oui, j'aurais joué autrement, tiens. Non, mais oui. Bah oui, elle a perdu pas mal de trucs. Elle perd deux, trois trucs. Ouais. Elle perd l'envie de vivre, elle perd le goût de vivre, elle se sent inutile, dépassée, elle est susceptible à bout de nerfs, déprimée. Elle constate qu'il y a un magret de canard qui lui pousse sur le ventre. Elle veut s'acheter des culottes de grand-mère. En gros, qu'est-ce qui lui arrive? Elle vit une ménopause, quoi. Ah bah oui, elle vit une ménopause, elle n'est pas du tout contente avec ça. Et donc, comme elle l'a fait comme si ça n'existait pas, puisque de toute façon, dès que ça existe, ce truc-là, on est... Enfin, il ne faut pas en parler, il ne faut pas dire, c'est un gros mot. Donc, elle est au bout de sa vie, elle perd son boulot, ça ne marche plus très bien, son mec, ça ne marche pas du tout, de toute façon, il y a le chat au milieu, donc il ne se passe plus rien. Et donc, les amis arrivent, et le chat, le fameux chat il reste plus que ça à cette femme, son chat. Il lui reste plus que son chat. Le film, il montre bien que la ménopause ne concerne pas que les femmes, mais également leur partenaire. Parce que Daniel, Pascal Elbé, dans ce film, alors il voit bien que sa femme traverse une période compliquée. Ouais. Il ne lève pas le petit doigt. Il est dépassé, largué lui aussi. Il est largué lui aussi. Je pense qu'il a aussi des petits problèmes à lui. Quoi. Tout le monde vieillit. Tous ces copains qui sont tous ensemble et qui vieillissent ensemble, ils ne s'en parlent pas. Et puis petit à petit, le temps d'un week-end, ça ressort évidemment. Tout explose. Tout explose. L'opposé de l'or dans le film, c'est Camille Lelouch. Une jeune femme bien de son temps, qui ne s'embarrasse pas des conventions, qui ne joue surtout pas aux femmes parfaites et dévouées, qui, contrairement à elle, ne pense qu'à elle, surtout pas aux autres. Mais c'est la seule qui dise un peu la vérité, alors. Oui, alors, il est assez beau, ce personnage, parce qu'évidemment, au départ, on ne l'aime pas du tout, elle nous énerve, elle n'est pas sympa. Mais finalement, c'est celle qui va faire avancer Laure. Il y a un truc de sororité, elle n'est pas sympa, elle est autre chose. Elle a du cœur quand même et elle estime que cette femme qui dit qu'elle n'a plus rien à vivre parce que c'est comme ça, que non, ce n'est pas vrai. Donc on va dire, c'est un discours féministe mais qui ne passe pas par les codes habituels. Les codes de, non, c'est juste, elle dit, t'as d'autres trucs à faire. Elle ne connaît pas les réseaux sociaux, le rôle de Camille, oui. Donc elle lui dit, t'as qu'à faire ci, t'as qu'à faire ça, tu vaux mieux que ça. Et puis si t'avais mis un GPS sur ton chat, tu serais pas en train de nous faire chier. Oui, c'est ça. Elle lui parle un peu mal. Oui, mais elle l'a secoué. Camille Lelouch dans le personnage m'a un peu rappelé le vôtre dans la crise de Colin Serrault. Ouais, ouais. C'est exactement ça, cette tirade-là. Le problème, c'est que je ne veux pas vivre et je ne veux pas d'un mec étalé sur mon canapé qui baille en disant « qu'est-ce qu'il y a à bouffer ce soir ?» Ouais. Cette tirade absolument géniale. Ouais. Mais il y avait une correspondance. Quoi. Ah, complètement, mais c'est dingue. Ah, oui, je n'avais pas vu ce truc-là. Bah, oui. Ah, c'est ça. Mais Colin Serrault, c'est incroyable. Enfin, dans la crise, ce qu'elle fait, ce qu'elle écrit, mais c'est tellement visionnaire, c'est dingue. Quoi. Ah, oui. Et quand on réécoute les textes, mais on se dit « la vache, c'est... » Ah non, ça n'a pas vieilli. Ça n'a pas vieilli. Exactement. C'est extraordinaire, ce film. Je l'adore. Bon, ce sont les femmes dans ce film quand même qui, effectivement, sont mises en avance dans leurs crises respectives, mais aussi dans leur quête de sens, de dignité, d'accomplissement personnel. La cinquantaine est une époque charnière pour toutes les femmes. Oui. Pour les actrices aussi, il n'y a pas de raison. Ah oui, beaucoup pour les actrices. Hein. Constate la réalisatrice, d'ailleurs, Cécile Tellerman, trop jeune pour jouer des grands-mères, trop vieille pour jouer des jeunes mariés. Sujet que vous abordiez, on s'en souvient, lors de la dernière cérémonie des Césars, dans la 40e cérémonie des Césars en 2015 avec Pierre Delalonchamp. Je suis ravie de présenter le César de la meilleure première œuvre avec Pierre Delalonchamp. Révélé dans L'inconnu du lac, un film magnifique, artistique et fort qui n'aurait pas pu voir le jour dans bien d'autres pays. Je suis moi-même très honoré de remettre ce prix à vos côtés, Zabou. Je vous adore depuis que je suis tout petit. Merci. Mes parents aussi. Et vous êtes très jolie et vous ne faites pas du tout votre âge. Merci. Et en plus, vous avez osé une tenue... c'est très courageux. Je suis sûr que très bientôt, vous aurez un César d'honneur. Sauf si vous mourrez avant. En attendant, moi, je me fais pas bronzer la bite dans des films de PD. Bon, alors... C'est génialissime. On s'était amarrés, hein. Ah ouais, c'était... On avait ri avec...
Le tout commence vraiment très poli, très courtois. Très courtois, très César, très cérémonie, d'entre soi. On est tous très bien, tout ça et tout ça. Boum. Qu'est-ce qu'on s'était marré avec Pierre. Qu'est-ce qu'on avait ri. Mais ça, il faut de l'humour quand même pour affronter cette période compliquée de la cinquantaine quand on est une actrice, parce que c'est une réalité ce genre de compliment fait par votre âge et compagnie. C'est pernicieux, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas écrit les rôles, donc tu ne vas pas jouer ça, parce que le rôle n'est pas écrit. Or, il y a autre chose à écrire que l'histoire. Et c'est pour ça que le film de Cécile, je l'adore, parce que c'est juste, ça ne va pas bien, c'est mou, c'est, on ne sait pas trop, c'est un peu rien, et c'est la catastrophe, en fait. Hein. Mais on est, à partir du moment où on a passé 50 ballets, on est un peu transparente, on n'existe pas vraiment et on n'a plus de fonction. Comme si une femme devait avoir, à partir de 50 ans, si elle n'a plus de fonction de mère, d'épouse, de... Bon, la sœur, bon, ça s'est passé. Elle existe comment ? C'est terrible parce qu'on ne se pose pas cette question-là pour un homme. Enfin, beaucoup moins, même si... On dit « Oh, la vieille !» Mais on ne dit pas « Oh, le vieux !» Moins. Mais du coup, il faut les écrire, ces rôles. Mais c'est vrai, il faut les écrire. Mais peut-être que je devrais aussi m'y mettre un peu. Mais peut-être que j'aime pas les vieilles. Oui. Non, mais c'est pour ça que c'est bien, parce que c'est une comédie. Et puis j'aime bien parce que le personnage que je joue, Laure, elle est quand même très très chiante, quoi, aussi. Ouais. Ah ouais. Mais ça, c'est bien, elle n'est pas tout systématiquement défendue. Elle est chiante dès la première seconde du film. Dans la voiture. On continue à parler comme si j'en étais. C'est pas grave. Dès la voiture, elle se met à hurler sur son mari. Ouais. On se dit, oh le pauvre. Ouais, c'est ça va être le cliché de la femme, chiante, machin et tout ça. Et en fait, c'est plus complexe que ça. Ouais, c'est pour ça que c'est bien. Bon. Il faut aller le voir. Ah bah oui, il faut aller le voir, c'est mercredi prochain en salle. Vous l'avez dit il y a quelques secondes dans le film, dans Malangocha, Laure est réfractaire aux réseaux sociaux, elle gère sa société sans site web, elle ne veut surtout pas en entendre parler, sans vie numérique, alors que dans la vie, Zabou, vous êtes, vous, hyper connecté, notamment pour créer des personnages, et c'est très drôle. Je sais très bien que tu m'aimes pas, donc je sais pas, tu penses qu'à toi, tu penses jamais à moi. Tu penses qu'à toi, à ton bureau. Oh, faut que j'aille au bureau demain. Faut que j'aille à mon petit bureau. J'irai d'abord à l'homme. C'est dire que ça. Les six-packs, ils étaient tellement, tellement vénères. J'ai l'impression qu'ils allaient me tomber devant les bijoux de famille, excusez-moi. Et donc là, je pensais à Baudelaire direct. Sois calme, ma douleur, et tiens-toi plus tranquille. Pourquoi j'ai... C'est quoi cette merde? J'ai dû vernir ongles maintenant. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Encore un truc qui ne marche pas. Donc, petit message. À ceux qui fabriquent les filtres, faites en sorte que ça marche, c'est pour tout le monde. Zabou, elle est complotiste. Il y a des filtres. Ah, parce qu'elle a une personnalité. Elle. Ouais, elles ont toutes. Elle est bon, elle est bourrée. L'autre, c'est un mec qui fait beaucoup de gym, tout ça, voilà. Mais il ferait des bons personnages de films, en fait. Ah, c'est marrant, on peut passer par ça, on peut passer par là pour créer un personnage et ensuite. Ouais, c'est une super idée. Allez, j'aime beaucoup. Et la troisième, elle est complotiste et donc elle... Alors, elle est... Voilà, elle a des yeux de complotiste, déjà. Suspicieuse. Elle voit tout avec sa petite tête comme ça. Et elle est complotiste, ouais. Et je pense que... J'ai deux, trois textes, là. J'ai vu des textes qu'une nana avait reçus d'une fille très, très énervée et qui emploie, bizarrement mélange des termes juridiques très forts avec des insultes énormes. Donc ça, le décalage est génial. Un mélange un peu bizarre, donc c'est assez fun.